La police affirme que les attentats de mardi ont été perpétrés par 3 kamikazes sur des motos. Une explosion s'est produite à proximité du Parlement et l'autre près du poste central de la police. L'organisation État islamique a revendiqué la responsabilité des explosions, selon l'agence de presse Hamak de l'organisation terroriste. Un peu plus tôt, la police avait attribué ces attaques à un groupe armé affilié au groupe État islamique. Une personne que l'on suspecte d'être un kamikaze est aperçue marchant dans une rue de Kampala, lorsque quelques secondes plus tard, une lourde détonation se fait entendre. J'ai juste entendu une détonation de bombe et je me suis demandé s'il s'agissait de l'explosion d'un pneu. J'ai vu des gens courir et en tant que maire de cette ville, je me suis précipité vers le poste de police pour voir. Et oui, c'était cela, une bombe avait explosé. Des dizaines de personnes ont été blessées lors des deux explosions et plusieurs autres ont été tuées. À quelques mètres de là où je me tiens se trouve le poste central de la police de Kampala, où l'une des bombes a explosé. Les autorités locales enquêtent sur les gens qui pourraient se trouver derrière cette attaque. L'enquête préliminaire de la police attribue ces attaques aux Forces démocratiques alliées, un groupe insurgé ougandais qui opère en République démocratique du Congo. Cela montre clairement que les groupes radicalisés liés aux forces démocratiques alliées souhaitent toujours mener des attaques mortelles sur des cibles vulnérables avec des kamikazes et des engins explosifs improvisés. Ces attentats se sont produits 22 jours après le dernier attentat suicide dans un restaurant. À présent, la police renforce la sécurité pour éviter de futures attaques. Les attaques d'aujourd'hui montrent qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Nous essayons du mieux que nous pouvons d'anticiper, d'infiltrer et de prévenir d'autres attentats mortels de ce type par des extrémistes locaux. La police a demandé aux locaux de se montrer vigilants.